Chers frères et sœurs, le temps de l'Avent, c'est un temps de très grande grâce, un temps où le Seigneur nous invite à demeurer dans la ferveur, cette ferveur de l'attente de sa venue, cette ferveur pour lui témoigner combien nous l'aimons que nous avons faim et soif de sa présence, de sa sainte présence. C'est un temps qui nous prépare à Noël, c'est un temps qui manifeste pour nous une triple attente. Ce temps nous fait revivre cette attente du peuple d'Israël, du peuple juif, de la venue du Messie. Le Messie attendu depuis le péché originel. Heureux autres qui nous a valu un tel sauveur, le Messie annoncé par les prophètes. C'est un temps qui nous rappelle à accueillir le règne du Christ dans nos vies. Aujourd'hui, il est déjà là. C'est un temps aussi où nous sommes appelés à demeurer dans l'attente de Jésus dans la gloire pendant la messe. Lorsque le prêtre proclame, il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous attendons ta venue dans la gloire. Oui. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Notre cœur doit brûler de ce désir de l'accueillir parce qu'il vient en vérité. Aussi est-il que pendant le temps de l'Avent, nous constatons certains changements au plan liturgique. Tout particulièrement, nous constatons que la couleur habituelle du temps ordinaire passe au violet. Pourquoi cela Et Nous constatons aussi que depuis que cela reste comme une tradition, aussi de dresser une couronne avec quatre sièges pour certains cinq sièges, pourquoi cela Quel est le sens Qu'est-ce que cela signifie pour nous Pourquoi est-ce que pendant le temps de, du carême, nous sommes vêtus de violet et aussi pendant le temps de l'Avent Est-ce un appel à la pénitence Eh bien non. Le temps de l'Avent, ce n'est pas un, un temps de pénitence. Pourquoi le violet nous sommes dans l'attente de celui qui arrive et celui qui vient. Il est bel et bien homme et Dieu. Ce Jésus que nous proclamons, il est véritablement homme et Dieu. Et au plan liturgique, selon les normes icono iconographiques, le bleu manifeste la divinité. Et le rouge, l'humanité du Christ. Et donc le bleu et le rouge donnent cette couleur violet. Nous attendons ce Jésus qui est pleinement homme et pleinement Dieu. Et pour la petite histoire, en ce qui concerne la couronne, depuis 1839, un, théologien luthérien qui s'occupait d'enfants pauvres près de Hambourg en Allemagne était plus ou moins agacé d'entendre souvent de la part des enfants c'est quand Noël c'est quand Noël quand est-ce que Noël arrive et il a eu cette idée de dresser une couronne avec quelques bois au départ et à l'intérieur vingt-quatre cierges. chaque jour il allumait un cierge et comme ça les enfants progressivement se voyaient avancer vers noël. et quant aux quatre dimanches, quatre grands cierges pour les dimanches de l'avant. Cela est rentré dans la tradition allemande en 1839 et un peu plus tard certains pays ont gardé cette tradition. Mais après, nous avons donné, il a été donné à cette, cette tradition un sens spirituel. Le premier siège qui est allumé le premier dimanche de l'Avent. Garde ce lien avec la vigilance, Ou pendant le premier dimanche de l'Avent, il nous invitait à veiller. Veillez et priez, veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Et le deuxième siège qui est allumé aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, garde ce lien avec Jean-Baptiste. Celui qui crie dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur. Le troisième siège, qui est rose, sera allumé le dimanche de la joie Gaudeté et le dernier dimanche, le quatrième dimanche avant Noël. Ce sera cette manifestation des événements qui vont annoncer de façon plus imminente la venue du Messie. Gardons donc notre cœur éveillé à la rencontre de celui qui vient, celui qui est déjà là et celui qui viendra dans la gloire. Aujourd'hui donc, Jean-Baptiste nous invite à préparer le chemin du Seigneur. Comment est-ce que nous sommes appelés à préparer le chemin du Seigneur Quelle est la façon la meilleure par excellence de préparer le, la venue du Seigneur. C'est un Dieu miséricordieux qui vient à notre rencontre, un Dieu plein de tendresse et d'amour, ce Dieu qui sera manifesté d'une façon toute particulière au peuple d'Israël dans le livre d'Isaïe aujourd'hui. Consolez, consolez mon peuple. Ce peuple qui était en exil et qui se demandait est-ce que le Seigneur, le Seigneur viendrait vraiment à leur secours. Isaïe, à travers ses écrits, va leur manifester que le Seigneur est bel et bien présent et que ce peuple, même si c'est un peuple à la nuque raide, un peuple qui s'éloigne se, qui du Seigneur en adorant quelquefois, en se détournant de lui par l'adoration des idoles, ce Dieu, il est fidèle. Et ce Dieu, il reste fidèle aussi à ce peuple que nous sommes aujourd'hui. Nous préparer à sa rencontre, c'est de choisir de nous convertir en vérité. Et Jean-Baptiste nous invite à cette conversion. Ce Dieu ne vient pas à notre rencontre pour nous juger, pour nous condamner, mais au contraire. Éveillez en nous cet amour qui n'a pas peur de celui qui vient à sa rencontre, parce que c'est un Dieu plein d'amour, de paix, de joie. Pour certains, comme va le manifester Saint-Pierre dans la deuxième lecture, qui sont dans la hâte de la venue du Seigneur, et face à tout ce que le monde vit aujourd'hui se dit, mais Seigneur, où es-tu? Pourquoi est-ce que tu tardes à venir? Un jour, pour le Seigneur, c'est comme mille ans. Si le Seigneur, il nous semble qu'il tarde à venir, c'est plutôt pour nous. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à l'accueillir? Est-ce que nous sommes vraiment disposés à l'accueillir? Si nous disons oui, cela implique que nous nous engageons de façon radicale sur le chemin de la conversion. Mais lui qui sonde les cœurs et les reins voit et sait que nous ne sommes pas en vérité prêts. Pourquoi? Parce que il y a encore cette peur au plus profond de nous, cette peur de Dieu, cette peur d'un Dieu qui juge, qui condamne. Et ce Dieu, nous allons le rencontrer en nous préparant à Noël, tout petit dans une crèche, pour nous dire, non, n'ayez pas peur de moi. Je ne viens pas pour vous condamner. Je viens. Et épousez votre condition humaine, que vous compreniez que je vous aime et que je suis avec vous. Jean-Baptiste ne se trouve pas digne de défaire la courroie de celui qui vient, la courroie de ses sandales, parce que c'est Dieu, parce que Jean-Baptiste a humble pauvre, préparant le peuple d'Israël dans le désert à travers un baptême de conversion pour l'accueillir. Ainsi va-t-il manifester au peuple d'Israël qui n'est pas lui le Messie, que celui pour qui il proclame dans le désert préparer le chemin est déjà là et que ce peuple doit préparer son cœur à l'accueillir. Entendons donc ce cri de Jean-Baptiste dans le désert, dans le désert de notre monde actuel, un monde qui n'accueille pas Dieu, qui ne le reconnaît pas, qui dit même qu'il n'existe pas. Accueillons ce cri, cet appel de Jean-Baptiste à la conversion et qu'à travers notre conversion, ceux et celles qui ne le connaissent pas trouvent le chemin, le véritable chemin qu'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Amém.